Chers collègues, nous avons décrété l'état d'urgence climatique. Nous avons voté le Green Deal il y a tout juste un mois de cela. Et demain, on nous demande quoi? On nous demande de voter un accord de libre-échange de plus, comme si de rien n'était. Cet accord, contrairement à nos promesses écrites noir sur blanc dans la résolution Green Deal, n'a aucun mécanisme contraignant concernant le chapitre développement durable. Alors la question qui se pose à nous est simple. Accordons-nous le moindre prix à nos paroles, à nos propres paroles. Chers collègues, le Vietnam enferme les activistes écologistes, les syndicalistes, les défenseurs des droits humains. L'un d'entre eux, Pan Chin Dung, a été arrêté précisément parce qu'il nous a écrit une lettre nous demandant de ne pas signer l'accord en l'état. Si vous n'accordez aucun prix à vos propres paroles, ayez la décence d'accorder du prix à ses paroles à lui. Ne validez pas l'accord tant qu'il est en prison pour nous avoir parlé à nous. Alors, chers collègues, il y a quelque chose au-dessus du dieu commerce. Il y a notre avenir à tous, il y a nos principes. Eh bien, demain, c'est l'occasion de le montrer.